Chers amis, nous voici arrivés en fin d'année, à l'heure des bilans. Comment vous remercier pour votre générosité, ne serait-ce qu'au Moyen-Orient. Vous nous avez permis de soutenir nos frères chrétiens d'Orient. Juste quelques chiffres, en Syrie, 22 millions d'euros depuis le début de la guerre. En Irak, depuis août 2014, lorsque les chrétiens ont été chassés par l'État islamique, 34 millions d'euros. Tout cela n'a été rendu possible que grâce à vous, par votre générosité. Un immense merci. Il ne faut malheureusement pas arrêter. Aujourd'hui, les familles chrétiennes commencent à rentrer chez elles. Plus d'un tiers des réfugiés du nord de l'Irak sont déjà rentrés dans la plaine de Ninive. Leurs maisons sont souvent détruites. Et donc, en fait, tout se joue maintenant. Il faut vraiment les aider à rester sur place. Et cela, eh bien, ce sera également grâce à vous. L'AED, vous le savez, ce n'est pas que le Moyen-Orient, c'est 150 pays dans le monde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, l'Extrême-Orient. Merci de nous continuer à soutenir les séminaristes, les prêtres, les religieuses partout dans le monde. Et cela, c'est également grâce à vous. Noël, eh bien, pour nous, c'est un peu une fête particulière. C'est l'anniversaire de notre fondation. Cette année, cela fait pile 70 ans. Le père Werenfried, notre fondateur, a eu l'idée de créer cette œuvre au service des chrétiens persécutés à Noël 1947. Donc, bon anniversaire à l'AUD et à tous ceux qui nous soutiennent. Enfin, une intention de prière. Vous le savez, au moment de Noël, ces derniers jours, il y a eu des attentats au Nigeria, au Pakistan, en Inde également, en tout cas des séminaristes arrêtés, mis en prison. Un attentat déjoué à Moscou, espérons qu'il n'y en aura pas d'autres. Je vous propose de vraiment prier pour que partout dans le monde, que ce soit à Noël, là, le 25 décembre, mais vous le savez, en Orient, Noël est un peu plus tard, le 7 janvier, que pendant tous ces jours, eh bien, les chrétiens dans le monde puissent célébrer Noël dans la paix. Merci pour votre prière, merci encore pour votre aide.